Yo tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien, on est parti pour la suite de la carrière Pôle emploi. Où est-ce que je suis? Je suis en Paris Saint-Germain, et oui, je vous l'avais dit la semaine dernière que j'allais rechercher un nouveau club après 2 années au PSV Eindhoven. Eh bien, le petit Pôle emploi, français d'origine, a reçu une offre pas du tout refusable d'un certain Paris Saint-Germain. Me voici donc dans la capitale française, dans l'un des clubs qui compte le plus en Europe. C'est clairement le tremplin de ma carrière en tant que coach. Après une année du côté de Birmingham et 2 ans du côté de Eindhoven, eh bien, me voici du côté du PSG. Et clairement, j'ai vu l'offre, je me suis dit, bon, on va peut-être accepter quand même, quoi. C'est quand même une offre sympa. Donc, bon, voilà, je vous rappelle un peu les saisons. Donc, on avait lutté pour la montée avec Birmingham. On avait fait même les barrages pour l'accession à la Première Ligue. Avant de jouer ensuite lors de la saison d'après au PSV Eindhoven, malheureusement, ben, j'avais rien fait à part une petite Europa League. Et la saison d'après, eh bien, j'avais fait quart de finale de Ligue des Champions et j'avais perdu le titre à rien du tout. Donc j'avais quand même fait des choses assez sympas. Voilà, hein, puis l'Europa League gagner, c'est quand même bien l'année d'avant. Du coup, voilà, ben, écoutez. Et super coupe de l'UEFA et vainqueur de l'Orange Baker, voilà, donc on avait fait quand même des choses sympas. Première année maintenant dans un club qui compte, dans un club énorme tel que le Paris Saint-Germain. On va essayer de montrer qu'on a le niveau pour y être. Il y a vraiment beaucoup de travail, hein, dans cette équipe du PSG. Déjà, bon, les objectifs vous les montrent, mais vous doutez qu'il faut tout gagner, hein. Je pense que ça c'est pas trop... voilà. Il faut dans la même saison recruter 3 joueurs cruciaux et dégager un bénéfice de 125 millions. Ok, il faut recruter un joueur des meilleurs du monde. Ok, obtenir 25 cette saison match avec au moins un but marqué. Ok, ok. Bon, des objectifs à notre portée. On a un budget de quasiment 300 millions d'euros. Donc, on a un budget de transfert qui est très conséquent. Donc, on a de quoi investir dans le marché, clairement. On a une équipe très forte, vous allez voir. Donc, bah, on y va, on va découvrir un petit peu cette équipe. On a Neymar au poste d'ailier gauche qui est toujours là. À 31 ans, qui est toujours au club. Donc Neymar à côté de Mbappé. Mbappé qui est toujours là lui aussi. Ils ont recruté Martial, donc un autre Français qui est formé à Lyon, vous le savez, qui est à côté d'Mbappé. Donc ça va très très vite, hein, l'attaque déjà. Correa, qui va tout aussi vite. Il a 28 ans, l'Argentin, donc qui a été recruté de l'Atlético. Attaque correcte, on va pas se mentir. Un milieu de terrain, Verratti, Fabian. Bon, là, ça peut être, à mon avis, améliorable. Est-ce que je vais vraiment compter sur un Verratti qui, on le sait, n'a pas plus de 60 minutes dans les jambes? À voir. On a Firpo sur le côté gauche, qui est un joueur très intéressant. On a également Bernat, Berchich, Baker. Beaucoup de B, hein, finalement. Firpo, c'est très bien. À voir quelle doublure je garderai par la suite. On a Sergio Roberto sur le côté droit et Colin Dagba ainsi que Pembele. Bon, le côté droit, je suis pas du tout convaincu. Sergio Roberto, c'est clairement pas le joueur que j'ai envie d'installer en tant que titulaire à ce poste-là. Ma charnière est composée de Matip et de Marquinhos. Donc Marquinhos, le capitaine, ça y a pas de souci. Matip, par contre, je suis pas sûr. Surtout que derrière, j'ai pas du tout de doublure vraiment bonne. J'ai un jeune joueur qui s'appelle Diaz Fernandez, qui est un petit jeune de 20 ans. Sinon, ben, j'ai rien. Donc clairement, il va falloir restructurer totalement la défense centrale. Ça va être l'un des plus gros piliers, avec le poste de latéral droit également. On a Areola en cage, Navas sur le banc, Rico, Bulka, Innocent. Donc on a 5 gardiens. Bon, Areola qui a l'air pas mal. On verra avec Navas lequel des deux est le mieux. Mais c'est vrai qu'Areola, bon, il y a 30 ans maintenant quand même. Hein, donc bon, on verra ce que je fais pour le poste de gardien. C'est pas ma priorité, mais parce que j'ai d'autres secteurs. Mais je pense pas qu'on puisse gagner grand chose avec Areola en cage. En tout cas, je peux me tromper, mais ça m'étonnerait. Sur le banc, on a également du Régnier, le petit Brésilien de 21 ans, qui est plutôt intéressant, que j'ai jamais pu trop tester, qui a déjà 80 de général et qui est un très bon joueur en sortie de banc. On a Lazzari, qui est sur le latéral droit, enfin l'ailier droit remplaçant, qui est très bon aussi parce qu'il est assez rapide. Il manque un peu de frappe, hein, clairement. Mais après, en tout ce qui est vitesse, percussion, c'est très bien. Paredes, Wijnaldum, qui sont remplaçants de Fabian et de Verratti. Bah écoutez, c'est des joueurs qui ont maintenant une certaine expérience, qui sont doués à la récupération du ballon. Je pense que c'est 2 joueurs très utiles. Voilà, je suis plutôt content de les avoir pour le coup, des joueurs que je compte conserver. Ce qui n'est pas forcément le cas de Verratti, je vais me poser des questions sur Verratti. Je sais que c'est un joueur très apprécié, mais moi j'ai un peu de mal avec Verratti. Je le trouve...
incompatible avec le très haut niveau. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est un joueur qui peut illuminer sur une heure. Et ensuite, bah, c'est tout. Enfin, ensuite, il faut le sortir parce qu'il est cramé. Donc, j'ai un peu du mal avec Verratti, mais enfin, voilà. Et après, oui, c'est vrai que quand il est dans une équipe qui a le ballon, il peut ressortir les balles comme personne. Ça, c'est, on le sait. Le Verratti, on sait qu'il est bon. Mais moi, j'ai besoin d'un joueur au milieu qui peut jouer tout le match, en fait. Donc, c'est pas le cas de Verratti, c'est impossible. Je serais quasiment systématiquement obligé de le faire sortir. Voilà. On a donc du Berchiche, du Bernat sur le banc. Berchiche qui a été re-recruté d'ailleurs. Bon, clairement, c'est Berchiche sera vendu. On a le petit Collet sur le banc, qui est aussi très intéressant. Il a seulement 23 ans, un attaquant de taille. Voilà, un attaquant très intéressant, qui fait pas de bruit, qui posera pas de problème s'il est sur le banc. Pape Gueye, bon, Pape Gueye, 33 ans. Je pense que lui, il sera temps pour lui de le laisser partir. Sinon, il va vraiment régresser. C'est pareil pour Rafinha, c'est pareil pour Herrera. On a Tillman, également latéral... ailier droit. De seulement 21 ans, je ne pensais pas qu'il était si jeune que ça. Donc lui, très clairement, il est très intéressant et il va être conservé aussi dans l'équipe. Il n'y a aucun problème, il est assez complet en plus de ça. Donc lui, je suis plutôt surpris, il va être, je pense, intéressant. Herrera sera sûrement vendu lui aussi, joueur de 33 ans. Dinei Bimbe, c'est un petit jeune que j'aime beaucoup, Dinei Bimbe. Je trouve qu'il est très intéressant en Ligue 1. Cette année, je l'ai beaucoup vu et dans une équipe en perdition. Donc, voilà. Mais je pense qu'il peut vraiment m'apporter beaucoup et être un très bon remplaçant. Donc Dinei Bimbe, je compte sur lui. On a Moussa à côté que je ne connais pas. Moussa, joueur assez complet lui aussi. Très intéressant. Bon, après, ça fait beaucoup d'ailiers. Qui va vite aussi, seulement 20 ans, c'est plutôt pas mal, je sais même pas d'où il vient, mais il est pas mal. Fadiga, qui est un milieu central de 22 ans, remplaçant, à voir ce que j'en fais très clairement. On a Colin Dagba qui est très bien en doublure, Colin Dagba c'est pas mal, mais pas en titulaire je pense. Backer, 87 de vitesse quand même Backer, il est rapide, mais bon. Est-ce que je compte le conserver, je ne sais pas. Pembele, c'est très bien, mais trop juste pour nous. Dias Fernandez, ça peut être un bon numéro 4. Et puis ensuite, on a des gardiens. Voilà, on a fait le tour d'horizon. Autant vous dire qu'il y aura beaucoup de changements dans cette équipe à faire. On va déjà commencer un petit peu à s'occuper de l'équipe. Donc bon, Navas, on va le conserver très honnêtement. On va par contre retirer Inos sur la liste de prêt. Non, il veut pas. Bon, très bien. On va mettre sur la liste de transfert Rico et Bulka. On va mettre sur la liste de transfert Berchiche. Backer. Je préfère garder Juan Bernat et Firpo. Que backer, on va pas avoir trois défenseurs gauche, ça sert à rien du tout. Autant en conserver que deux et garder des sous pour d'autres postes. Sergio Roberto, je vais le vendre, en plus il est en fin de contrat très bientôt. Pembele, à la limite on peut le prêter, si on le laisse pas partir on le prête, voilà. Bon, Gueye, on va le laisser partir. Il y a pas mal de joueurs qui sont en fin de contrat aussi, donc il faudra gérer tout ça. Fabian, je vais le conserver. Moi, Marco Verratti, je serais plus d'idées de le vendre. Voilà, il a fait son temps avec le Paris Saint-Germain. Nouveau coach, nouvelle envie, nouvelles idées. Et pourquoi pas recruter Carter Anderson à sa place. Eh oui, j'ai envie de le récupérer, le petit Carter Anderson, mais on en parlera tout à l'heure. Bingoudiou, Fadiga. Je pense que je vais avoir trop de monde au milieu de terrain pour le laisser jouer. Rafinha va être vendu, Herrera va être vendu. Oh, est-ce que j'aurais tant de monde que ça? Ah, j'aurais Wijnaldum, Paredes, Fabian. Non, allez, on va le laisser. On va le laisser. Ensuite, on a du Lazzari, du Correa, du Tillman, du Moussa, du Dinei Bimbe. Je pense qu'il y en a un de trop. Et c'est peut-être Lazzari, finalement. C'est peut-être Lazzari. Parce que derrière, j'ai des jeunes, des très jeunes. Lazzari, il pêche un peu dans la finition. Donc, je pense que je préfère donner ma confiance sur Moussa ou sur Tillman que sur le reste. Voilà. Et sur Dinei Bimbe aussi. Bon, on est mort. Voilà. Reynier, très intéressant. Collet, très intéressant. Et Mbappé, très intéressant aussi. On a pas mal de joueurs qui seront aussi en fin de contrat. On verra. Il y en a qui vont être prolongés, tels que Marquinhos, qui va être directement prolongé, j'ai envie de vous dire. Ça, c'est le genre de joueur, tu n'hésites même pas une seconde à les prolonger. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs comme ça qui doivent être prolongés? Dinei Bimbe, j'ai envie de le conserver. Donc oui, on va le prolonger. Wijnaldum, j'ai plutôt envie de le conserver aussi. Un an, ça me va. Dias Fernandez, on va le conserver aussi en lui donnant une petite rallonge. Bon, Fadiga, allez. Hop, on prolonge. Donc ensuite, c'est des joueurs qui sont plutôt sur le départ. Rico et tout, c'est des joueurs sur le départ. Dagba, non. Dagba n'est pas sur le départ.
Voilà, donc on a prolongé un petit peu des joueurs, il y en a certains que j'aimerais beaucoup vendre. Donc il y a un gros marché hein, qui nous attend, on va vraiment dégraisser l'équipe parce qu'on a beaucoup trop de joueurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'on a vraiment trop de joueurs. Hein. Il faut faire un petit tri là-dedans, avoir une équipe un peu plus claire. Et du coup je réitère, hein, est-ce qu'on recrute Kater Anderson? Ce joueur ne souhaite pas jouer pour un championnat qui n'est pas assez relevé pour lui. Ok, il veut pas jouer en Ligue 1. Bon ben au moins s'il veut pas venir on va pas le recruter hein, ça c'est sûr. Mais bon c'est assez étonnant que les mecs veulent pas aller au PSG quand même. Bon après je comprends que la Ligue 1 ça puisse décevoir mais... Ok. Bon ben si on peut pas le recruter Kater Anderson ce sera tant pis j'ai envie de vous dire. Juste je vais enlever ça. Je vais mettre en tout. Voilà. Pour avoir les joueurs dignes de l'équipe en tout directement. Bon on verra après pour le mercato. Je vais aussi avoir besoin de vos conseils. Prenez en compte que... Des joueurs peut-être âgés ont diminué en général. Des joueurs très jeunes ont sûrement monté beaucoup en général aussi. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte dans le recrutement. J'ai besoin déjà d'un défenseur central titulaire à la place de Matip, à côté de Marquinhos. Voilà, donc un gros défenseur central qui serait pas trop mal au PSG, qui ferait belle figure au PSG. J'ai besoin d'un latéral droit qui ferait aussi du bien au Paris Saint-Germain et qui serait aussi assez réaliste si possible. Hein. Si possible, évidemment. Voilà, donc je compte sur vous pour ces deux postes-là. Et du coup, qui est-ce que je pourrais recruter à la place de Verratti au milieu de terrain dans un profil, quand même, joueur qui sait défendre. Parce que là, Verratti, lui, c'est que c'est pas le joueur qui est plus qu'à la plus grande certitude défensive. D'ailleurs, Fabian Ruiz, c'est quand même un joueur qui est plus porté vers l'attaque aussi. Hein. C'est un joueur très à l'aise, balle au pied, hein, pur technique. Il me faudrait, je pense, un gratteur de ballon, un chien, en fait, à côté de Fabian. Donc, si vous avez un chien à me proposer, n'hésitez pas dans les commentaires à me proposer ça. Je pense que ça peut être très utile. Si vous avez des remarques sur mon équipe, je suis totalement ouvert à toutes les possibilités. Et puis, je suis très content de signer comme ça au Paris Saint-Germain. C'est quand même une superbe chose dans la carrière de Pôle emploi. Hein. Clairement, Paul est très heureux de cette... de ce changement, on va pas dire le contraire. Et voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Le PSG, le club a peut-être trouvé finalement un nouvel entraîneur. En effet, le poste a été proposé à Emploi, dont la réputation n'a cessé de croître ces derniers mois au sein du football mondial. Une cote qui attire les clubs rivaux, comme le suggère cette proposition. La balle est maintenant dans le camp de Emploi. Voilà, et bien le nouvel entraîneur va faire taire les détracteurs. Emploi ne doute pas une seconde qu'il sera... faire taire les plus sceptiques alors qu'il vient d'être nommé entraîneur du club à la surprise générale. Et après avoir damné le pion à d'autres candidats au fort potentiel, Pôle emploi estime que son expérience peut lui permettre de remplir la mission qui lui a été confiée. Et il a déclaré Pôle emploi, on l'écoute, chaque entraîneur doit gagner la confiance de ses joueurs. Emploi le sait bien. Ce ne sera pas la première fois que j'accepte un poste où je vais devoir me faire accepter par les joueurs. Ça, c'est sûr, hein, mon pote. Donc voilà, Emploi qui a eu une petite conf de presse, tant mieux pour lui. S'il est content, c'est le plus important. En sachant que le Bayern est le dernier champion. Ils ont gagné contre le Borussia Dortmund. Et on revoit un petit peu aussi l'accueil de Emploi avec ce maillot dressé. Voilà, j'espère que vous êtes content hein, du nouveau club de Pôle emploi. Clairement, c'est du très très haut. Paris a souvent tenté comme ça des entraîneurs... qui sont pas forcément du premier rang. Paris ne recrute jamais des Guardiola, des Ancelotti. Enfin, Ancelotti l'ont eu, mais ils l'ont gardé un petit peu de temps que pour moi, il est même pas allé. Que tous les autres, hein, que des Zizou, que des Jürgen Klopp, etc. Donc, c'est vrai qu'ils se positionnent souvent sur des très bons entraîneurs d'équipes très bonnes, mais pas dans le top 8. Voilà. Donc là, ça paraît logique avec Emploi qui a fait du travail incroyable du côté du PSG de tenter ce coup-là, surtout que c'est un Français, ce qui est toujours un petit point positif quand tu es un club français aussi. Donc voilà pourquoi j'ai choisi. J'avais pas d'autre choix en même temps, j'avais que Paris qui sonnait à la porte. Clairement, ben ça m'a pas mis 50 ans à réfléchir. Je me suis dit que c'était quand même une très bonne opportunité. J'espère que vous êtes satisfait de ce choix. Je vais du coup ben, vous laisser là. C'est une vidéo vraiment de présentation de cette nouvelle saison, la quatrième. Et j'espère qu'on va passer, du bon temps tous ensemble dans les prochaines semaines. Allez, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve dès demain. C'était SD. Ciao.